J'imagine. Yon groupe samba, levé matin yo pran la ri. Tombe palé, tombe chanté, joue tambou pou sa change. Pou l'amour pas moun, pou nou sauve nation. Pou l'amour pas moui, sauve nation. Yo ta palé, yon belle parole, et tout ti moun yo te remè. Parole si la, te vle semblé, mirage Jericho qui tombe. Woyoy, 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 woyoy. Samba yo relé, samba yo tombé, la la ri la prison, yo mouri la rage. Samba yo relé, relé, relé la hey, 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 hey. Incliné nos fronts. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour cette date que tu nous as donnée. Merci pour la réalisation de cette grande conférence qui, en quelque sorte, doit meubler l'esprit de tout un chacun. Nous te demandons, Seigneur, à ce que le personnage qui aura donc à présenter cette conférence soit animé, n'est-ce pas, de l'esprit venant de toi, soit animé d'un esprit assez large, pouvant nous inculquer les rudiments du droit, et peut-être que, pourquoi pas, ce que nous devons faire avec nos semblables. Puisque d'ailleurs, tu nous as créés, Seigneur, dans un état de droit, où tu as fait des partages toi-même. Et nous sommes là tout simplement pour appliquer ce que tu as déjà conçu, ce que tu as déjà créé. Et d'ailleurs, nous sommes créés pour vivre comme des frères et des sœurs. Et là, nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous venir en aide. Nous te prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rassoyez-vous, merci. Et pour l'instant, on est ensemble. Et je pense que c'est fait prêt. Et c'est d'abord... Pardon? Est-ce que... Je ne sais pas chanter, à chacun son métier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir interpréter un couplet, n'est-ce pas, de notre hymne national, s'il vous plaît? Ah, tu viens? Ah, je pensais pas. Je vais aller venir. Est-ce qu'il y a une belle voix féminine ou une voix masculine qui peut venir chanter la Dessalinienne? Oh, il n'y a même pas une belle voix. Patricia. Ah. Pierre, Irlande. Ah, ok, voilà, merci. Elle s'amène, elle va... Mette belle vue, paraît-il, Mette belle vue va te seconder là. Et applaudissez-la, s'il vous plaît, pendant qu'elle s'amène. Et vous allez chanter avec elle, s'il vous plaît. La Dessalinienne. Elle, d'ailleurs, elle a l'air une Dessalinienne vraiment. Hein? C'est pas vrai? C'est l'image de notre terroir. Hein? Chance unique, marchant en vie.
pour le pays, pour les ancêtres. Et encore une fois, nous recherchons, mesdames et messieurs, bonsoir. On a besoin de vous demander pourquoi et est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous avez payé, n'est-ce pas, de port votre présence? N'est-ce pas l'invitation qui vous a été faite? C'est sûr, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez être vraiment des juristes. Vous voulez être vraiment des cadres pour en sortir le pays du gouffre où il se trouve. Et nous comptons, n'est-ce pas, sur l'émancipation de tout un chacun. Alors si nous sommes là, c'est pour en quelque sorte meubler notre esprit, parce que nous devons avoir de la matière grise pour sortir le pays du gouffre qu'il est. Et tout justement, nous démarrons tout de suite avec la programmation. Après l'hymne national, vous allez devoir écouter les propos de bienvenue, puisque Maître René Julien, il est déjà là. Les propos de bienvenue, ces propos-là, donc, seront apportés par Mademoiselle Darguise Exumé. Je vous demande d'applaudir Mademoiselle Darguise Exumé dans les propos de bienvenue. C'est Maître René Julien. Cher Maître, les propos de bienvenue. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, particulièrement M. René Julien et ses compagnons, en tout premier lieu, permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue dans le chef-lieu de notre département, et spécialement à l'ESSEC, l'École des sciences juridiques et économiques des Caraïbes. Outre les richesses architecturales qui font la gloire et la fierté de notre ville, nous demeurons convaincus que vous aurez l'occasion d'apprécier l'hospitalité de nos chers concitoyens. Nous avons l'honneur de vous accueillir, vous, Maître René, un personnage de renom au sein de la petite communauté de juristes en herbe que nous formons. Vos longues expériences vont nous aider à suivre un sillage qui nous aidera à avancer progressivement vers un état de droit réel que nous devrons appliquer à bon escient. Nous sommes tous là, chers maîtres. Nous sommes de tous yeux et de toutes oreilles. Autrement dit, nous sommes prêts à enregistrer tout ce que vous aurez à nous inculquer en cet après-midi. Veuillez acquiescer les applaudissements d'honneur que l'auditoire adresse en votre honneur. Merci. Voilà, tout de suite après les propos de bienvenue, puisque l'heure s'envole et le temps nous fait la guerre. Bon, nous allons donc passer tout de suite, vous allez écouter une allocution. Elle sera donc apportée par un représentant du décanat, c'est du décanat de l'ESSEC. Ben, il répond donc au nom de Maître Stelio Bellevue. Donc, on sait que plusieurs parmi vous aimeraient piper moi, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous ne pouvons pas faire la guerre autant, mais... et nous allons, n'est-ce pas, accourter les choses. Donc, c'est Maître Stelio Bellevue qui va passer pour son allocution. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Vous le connaissez tous, s'il vous plaît. De la trempe de Maître René Julien pour venir faire des exposés et vous aurez l'opportunité de poser des questions et éclairer votre lanterne. C'est sur ces termes que vous souhaite bonne audition et je remets le crachoir au présentateur qui va faire le nécessaire. Merci de votre attention. Merci. 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 Très jeune. C'est lui qui va maintenant dire ces mots. Comme je vous disais, vous aimeriez piper vos, c'est sûr, mais attendez.
C'est tout justement après l'exposé, n'est-ce pas, de la conférence. Il est très jeune, comme je vous disais. Très beau d'ailleurs, donc un beau gosse. Donc écoutez-le avec beaucoup de... Est-ce que je peux dire satisfaction? Bon, on ne nous entend pas encore. Mais de toute façon, soyez tout oui. Mesdames, messieurs les représentants de l'Amicale des juristes, en particulier l'honorable maître René Julien, mesdames, messieurs les représentants du conseil d'administration de l'école de droit et des sciences économiques des Caraïbes, EXEC, plus spécialement l'honorable maître Stéphane Belleville, commissaire du gouvernement près de la Cour d'appel des Caraïbes, doyen de la faculté des sciences juridiques de l'EXEC, l'honorable maître Fougère Banat, substitut commissaire du gouvernement près de la dite cour et secrétaire général de l'administration de l'EXEC, l'honorable maître Théobald Jean-Jacques, doyen de la faculté des sciences économiques de l'EXEC, l'honorable député Jean-Fénel Tanis, l'honorable magistrat assis et debout venant de Portou, mesdames, messieurs, les représentants du conseil des étudiants de l'EXEC, mesdames, messieurs, les représentants des autres universités, mesdames, messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, chers collègues et les membres de l'assistance qui viennent de partout, tenons compte du slogan « Partons pour l'équilibre de la balance de la quatrième année des sciences juridiques ». Nous avons un vif ressentiment d'honneur de recevoir parmi nous un célèbre érudit haïtien dénommé l'honorable maître René Julien, contribuant à la formation des juristes en général, des juges, des commissaires, des avocats et autres, en particulier par le biais des ouvrages publiés et de la formation donnée à l'Amicale des juristes. Nous savons que, depuis la promulgation de la Constitution du 29 mars 1987, dotant le pays d'un régime politique, la démocratie, nos compatriotes ont vécu quotidiennement des actes arbitraires et tyranniques constituant la violation des droits humains. L'État haïtien, organe chargé de faire respecter les droits de nos concitoyens et concitoyennes, fléchit devant cette situation lamentable. Cette dernière engendre la faiblesse systématique de notre État et que nos autorités étatiques clament chaque jour un état des droits pour le pays. Pour cela, avec la 25e de l'Amicale des juristes, cet ESTEC étant parmi nous, va nous présenter une conférence autour du thème « Droits humains, piliers d'un état des droits ». Renforçant l'idée de notre slogan, partons pour l'équilibre de la balance. En effet, nous réclamons votre attention soutenue à l'audition de l'honorable maître René Julien. Merci. Voyez-vous donc, nous luttons tous pour un Haïti meilleur, pour un Haïti où il fait bon de vivre. Pour un Haïti où l'on peut respirer, n'est-ce pas, un droit parfaitement exquis. Donc, faudrait-il bien qu'il y ait des têtes, vraiment des têtes pensantes à le faire. Hein. Et là, nous poursuivons, toujours est-il, pour l'instant, c'est la présentation du Conseil des étudiants. Cette présentation sera donc faite par Maître Théobald Jean-Jacques. Maître Théobald Jean-Jacques pour la présentation du Conseil des étudiants. Bonsoir, monsieur le député, cher monsieur Julien et compagnie. Ce que je vais vous demander de faire, c'est pour l'honorable maître René Julien et ses compagnons. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez. Nous ne pouvons pas accueillir une personnalité de cette académie. Il mérite vraiment, n'est-ce pas, ce jour d'applaudissement. Oui. Donc, maintenant, nous allons concéder, n'est-ce pas, le micro, n'est-ce pas, à cette honorable personnalité qui est Maître René Julien, et il fera, n'est-ce pas, le maître. Vraiment, mes chers amis, mes chers compatriotes,
étudiants, juristes, avocats, juges. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Dans le temps, je faisais de bonnes interventions au niveau de certaines écoles de droit à travers le pays, dont celle à laquelle vous appartenez. Et je le faisais toujours au nom de l'Amicale des juristes. L'Amicale des juristes va avoir 25 ans dans quelques jours. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas renouer à ces vieilles habitudes pour venir jusqu'à vous continuer à prêcher l'évangile du droit comme je le faisais dans le temps à travers le pays. C'est ainsi que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes là en prélude de la commémoration du 25e anniversaire d'une institution qui est désormais chère à tous les Haïtiens indistinctement pour avoir réalisé un travail de titan dans le domaine de la justice et du droit. Nous en sommes conscients. Mais ce n'est pas René Julien qui devrait être l'objet de toutes vos attentions, c'est surtout l'Amicale des juristes, parce que moi, on me connaît surtout à travers l'Amicale des juristes. Il y a eu... Haïti a connu un grand événement le 7 février 1986 avec la chute de la dictature des Duvaliers. Il y avait une pléiade d'organisations, de mouvements citoyens à œuvrer dans le sens de la résolution des conflits qui existent en Haïti depuis la mort de l'empereur, depuis la mort de Dessalines. Les syndicats, les associations paysannes, donc une pléiade, pour me répéter, de mouvements citoyens qui avaient pris naissance durant cette période. La lutte a été vraiment difficile au point que le gouvernement du CNG d'alors avait décrété une bamboche démocratique livrant le peuple à toute forme d'acte frisant. Je parlerai des actes liberticides. On confond tout, on confond démocratie, démagogie, on confond tout, on confond l'état du droit, etc. Moi, j'étais encore à la faculté de droit en deuxième année quand j'avais en tête de fonder une organisation pouvant intervenir dans le domaine du droit. J'ai appelé, on était très jeune, un avocat, j'ai appelé trois jeunes avocats, Maître Camille Leblanc, Maître Levelle d'Oxil et Maître Paul-Aurel François. Et on a fondé le 21 juin 1988 l'institution que nous appelons aujourd'hui l'Amicale des juristes. En tout cas, avant la fondation de cette institution,
toutes les organisations, organisations politiques, organisations sociales, ils ont revendiqué, mais on ne savait quoi, puisque le droit n'était pas au rendez-vous. Mais avec l'amicale des juristes, on disait que la résolution des conflits haïtiens ne peut être résolue qu'à partir d'un règne du droit. Et c'est à ce moment-là nous avons cru bon de mettre sur pied l'amicale des juristes qui avait endossé la responsabilité pleine et entière de sillonner toute la République, de visiter tous les coins et recoins du pays pour prêcher l'évangile du droit. Nous l'avons fait. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous l'avons fait. Nous sommes engagés dans un processus, dans un combat, dans une lutte de propagation du droit à travers le pays. Vous les connaissez avec les philosophes du 18e siècle. Dès qu'on parle de société, dès qu'on parle de l'État, on parle de droit. On parle de droit. Nous l'avons fait, malgré les difficultés. Nous avons sillonné la République pour faire passer le message de la loi. Nous l'avons fait au profit de tout le monde. Et beaucoup d'étudiants en droit à cette époque en ont bénéficié. Nous avons été dans toutes les sections rurales pour parler du droit à un certain moment. On nous croyait fous. Puisque parler du droit dans un pays visiblement hostile au droit, ça a été un risque à Maître Joseline Mayan. Pour son exposé. Et je vous rappelle le terme, droits humains, pilier de l'état de droit. Je vous demande de prêter une attention soutenue au terme qui va être débattu. Droits humains, pilier de l'état de droit. Avant de passer la parole à M. Joseline Mayan, je commence à vous remercier d'être présent à cette rencontre et ensuite passer la parole. Et ensuite passer la parole à Madame Vicky Saint-Fort pour vous présenter les grandes lignes de cette conférence. Mais il y a une revendication juste produite par mon ami, mon collègue Serge Bordel-Pounard qui souhaite se présenter à vous. Mais déjà, je vous dis qu'il est le secrétaire exécutif adjoint du conseil exécutif de l'amicale des juristes. Merci. Bonsoir, c'est un privilège d'être ici cet après-midi avec vous. Je vais un peu m'enroter puisque je n'ai pas mes lunettes avec moi. Juste pour commencer, c'est pour vous dire qu'on a débuté depuis le 16 avril à la mairie de Delma. On a eu une petite conférence pour expliquer à la population les différents conférences débats qu'on allait entretenir à travers les régions d'Haïti à partir du 1er mai. Suivre cet acheminement jusqu'au 21 juin qui est le 25e anniversaire de l'amicale des juristes. Les conférences débats sont autour du thème « Droits humains, piliers de l'état de droit ». Alors juste avant de... La conférencière aujourd'hui sera Maître Mayan, comme vous l'avez dit. Je vais juste déjà préparer votre esprit pour
que vous puissiez mieux comprendre quand nous disions droits humains, piliers de l'état de droit, les différents titres qu'elle va discuter dans la conférence, et que déjà vous faites la séparation entre ce que c'est l'état de droit et quand nous parlons de droits humains, piliers de l'état de droit. La conférence sera basée en deux parties. La première partie sera ce que c'est l'état de droit. Nous allons vous présenter l'état de droit, ce que c'est en réalité. Cheminement de l'état de droit, juste après, pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé spontanément et qui a eu un état. On ne parle pas de l'état de droit juste pour parler de l'état de droit. Il y a eu un cheminement à travers le temps et l'espace de l'état de droit. On vous apportera aussi quelques considérations sur l'état de droit par l'ONU, l'état de droit sur la charte interaméricaine, l'état de droit, comment nous, en Amicale des juristes, nous voyons l'état de droit. Est-ce que nous avons accès à l'état de droit? Ce sera aussi discuté. Tout de suite après, on aura un clin d'œil sur l'état de droit. Ces deux parties sera pour vous expliquer voilà ce que c'est l'état de droit. Et tout de suite après, la deuxième partie sera sur les droits humains, le pilier de l'état de droit, qui est le thème de notre conférence à travers les régions. Nous avons, je crois que l'État est maintenant, on va retourner dans l'Ouest, c'est notre dernière région vraiment que nous... C'est notre conférence aujourd'hui, sera la dernière. Ensuite, on sera à l'Ouest disposé, mais on sera tout de suite à la préparation de notre 25e anniversaire le 21 juin. Aussitôt que maintenant on va finir avec la conférence, vous aurez l'opportunité de poser des questions au panel. Nous sommes des juristes et nous sommes là au moins avec l'expertise que nous avons dans tous ces débats, parce que nous avons tellement appris à travers les conférences avec vos questions que nous avons eues. Que au moins on peut partager avec vous les réponses de tout un chacun, de tout un chacun, et aussi bien la façon que nous, en Amicale des juristes, nous parlons avec vous. Alors je passe le micro tout de suite à mettre moyen, comme ça nous pouvons commencer avec notre conférence aujourd'hui. Merci Madame Zepo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce soir pour pouvoir vous exposer un thème assez intéressant et d'actualité, bien sûr. C'est droits humains, pilier de l'état de droit. Et tout d'abord, nous tenons à nous excuser parce que nous sommes un petit peu en retard. C'est parce que nous venons tout juste de Jérémy et puis on n'a pas eu le temps de passer à l'hôtel, donc directement nous venons. Parce que nous avons eu le temps, ils n'ont pas voulu faire trop, perdre trop de temps. Donc, nous excusons pour ça. Et donc, ce travail en a fait. Donc, nous pensons que nous n'avons pas de problème avec nous. Tout de suite, on va commencer. Madame Saint-Paul vous a déjà dit que l'exposé d'aujourd'hui sera divisé en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons vous parler de l'état de droit. Nous allons vous dire ce que c'est l'état de droit en réalité. Pour ensuite parler des droits humains en tant que pilier fondamental de l'état de droit. Nous connaissons que l'état de droit est un thème qui vraiment parle aujourd'hui. Quand pile le monde qui prend, chaque monde prend de façon variée, il y a un monde qui a une définition qui est différente par rapport à l'autre. Mais de toute façon, l'état de droit, le concept là, une définition. Malgré tout le monde a une définition variée, mais il y a donc, nous allons définir qui ça l'état de droit. Dans un état de droit, il y aurait l'ordre de bien se servir de la Constitution et des lois. Et c'est bagaille ça qui doit seul ZAM, ok, dans tout dirigeant qui a dirigé, qui a gouverné l'état. Ça. Donc, et ça, le fait que respecter la loi et la Constitution que le pays a gagné, ça va rendre fort. Et puis la garantie respect de l'homme qui est sous le territoire. Là. L'état de droit repose alors sur le respect scrupuleux de la constitution de l'État et des libertés publiques que celle-ci proclame. Donc, si je suis capable de répéter,
l'état de droit repose alors sur le respect scrupuleux de la constitution d'un état et des libertés publiques que celle-ci proclame. Et dans ce cas, l'état de loi, il préconisait, ça aurait été la suprématie de la loi dans tous les actes de l'État. Et dans l'état de loi, ça veut dire, nous comprenons tout naturellement que la loi est au-dessus de la loi, va gagner encore. C'est la loi qui enlève, c'est lui qui top. Donc tout le monde doit soumettre en bas constitution et loi qui régit l'état. Ça. À l'état de loi, il y a un concept qui est opposé à lui-même, qui c'est l'état de police. Et qui ça qui est l'état de police là? C'est un état dans lequel les règles protectrices des libertés sont imposées seulement aux personnes privées. Donc, règles protectrices des libertés, c'est seulement personnes privées, c'est à seulement personnes privées que sont imposées. Tandis que dans l'état de loi, non seulement règles ça sont imposées à personnes privées tout, mais l'État lui-même, en tant que personne publique, lui-même tout, il doit soumettre en bas loi Sayo, en bas règle Sayo. Ça veut dire, en gros, dans l'état de loi, ça qui est au-dessus de la loi, c'est la loi encore, pas rien qui est au-dessus de la loi. On nous voit qui ça, un petit cheminement de l'état de loi à travers le temps et l'espace. Parce que Mme Saint-Fort a parlé de ça déjà, elle dit c'est mon bagage qui vient spontanément. On bonjour l'amical des juristes levé, il dit bon, on invente l'état de loi. Donc il y a un cheminement que l'on fait à travers le temps et l'espace. Nous gagnons premièrement, en 1215, nous gagnons ça aurait été la grande charte de la Grande-Bretagne, en 1215, qui prévoit un certain nombre de règles et de dispositions légales qui protégeaient être humain au compte arbitraire. Donc c'est un premier pas vers le concept état de loi. C'est en 1215 avec la grande charte de la Grande-Bretagne qui prévoit certains règles qui défendent les gens subissent les arbitraires. Ensuite, nous gagnons en 1679. Après 1215, nous gagnons 1679. Et en plus, le monde connaît, en 1679, nous instituons ça aurait été habeas corpus en Angleterre. En plus, nous-mêmes, en plus, nous connaît qui est habeas corpus là. Donc c'est un principe qui est très cher à l'humanité, qui fait du corps humain un bagage qui s'accrocède, qui n'a pas subi transaction comme ça, comme ça. Ensemble. Donc nous avons dit qu'en 1215, il y a une grande charte de la Grande-Bretagne. Nous venons en 1679, nous avons habeas corpus. Et après, nous avons en 1776, la déclaration de l'indépendance américaine. Donc c'est un troisième pas vers concept état de loi. Et tout de suite après, nous venons gagner ça aurait la Révolution française que nous étudions déjà et qui institue un principe selon lequel il dit qu'il n'y a pas en France d'autorité supérieure à la loi. Donc c'est même idée par le droit que nous débat nous hein, au niveau de définition concept là. Donc la Révolution française dit il stipule la Révolution, hein, dans après Révolution bien entendu, il dit qu'il n'y a pas en France d'autorité supérieure à la loi. Et c'est comme ça que petit à petit, notion état de loi va les terrains. Et puis, il y a une cheminée dans mœurs, dans la culture des pays, comme par exemple, nous avons la France, nous avons la Norvège, nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons la Suède, le Canada, etc. Ou l'Angleterre. Et c'est en vain qu'on va parler de l'état de loi. Donc, c'est un petit bagage primaire, ça, qui est fondamental, qui est nécessaire. Ou pas gagner, donc c'est en vain, il n'est pas même nécessaire même pour parler de l'état de loi. Et dans la mesure que besoin qui primaire ça, ou pas gagner, il n'est pas respecté, donc tout citoyen, quelle que soit appartenance sociale, quelle que soit appartenance raciale, religieuse, économique, politique, etc., ou bien doit manifester solidarité ou pour capable de faire loi ça yo respecter. Et à l'article 2 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, nous lisons ce qui suit. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et là, on dit un droit imprescriptible et inaliénable, ça veut dire c'est un droit que vous n'avez pas qu'à enlever. Pas de personne qui est capable de retirer la main parce que vous faites à veille ou à mourir ensemble avec.
pas de monde qui a dit là, bon, à faire manger ça, jamais ou pas de manger. Nous défendons manger. Pour faire avec, vous pouvez mourir avec, parce que l'intrinsèque a ou même l'inaliénable, l'imprescriptible. Côté au capable de retirer un droit politique, mais ça, vous n'êtes pas capable de retirer le même. Malheureusement, un très grand nombre des 7 milliards d'habitants recensés actuellement sur toute la Terre est encore loin de jouir de leurs droits. L'exemple haïtien est une cruauté scandaleuse. Haïti est l'un des pays où les droits de l'homme sont les plus bafoués. Aucun peuple n'a plus rien à attendre de pouvoir établi selon un système hostile aux droits humains. Quand les droits fondamentaux des citoyens sont bafoués, ils ont pour devoir sacré de se révolter et de chercher par tous les moyens à renverser l'ordre des choses contraire à la garantie et au respect de leurs droits. C'est à peu près ça nous lit quelque part dans la déclaration de l'indépendance américaine. Il y a d'autres éléments qui sont générateurs de droits, parmi lesquels nous gagnons la parole et la pensée. Au commencement était la parole, dit la Bible. Donc effectivement, c'est par le pouvoir de Dieu dit que le monde a pris corps. En général, dans les pays des droits de l'homme, l'être humain est libre autant que la parole l'est. La parole est libre au point de remuer les problèmes de l'être humain de partout pour les signifier à la conscience du monde libre, à des fins humanité. Et à longueur de journée, la presse française a cherché à mobiliser partout dans le monde pour remuer conscience sur le problème des peuples oppressés. Nous guérissons à nous et tout la réunion, le droit de réunion et d'association. Plusieurs personnes réunies sont capables de miracles pour le bonheur de l'humanité. Dieu dit, là où plusieurs personnes sont réunies en mon nom, je suis là. Donc c'est pour te montrer nous, côté liberté de réunion et d'association, elle est consacrée dans la Bible tout. Même la Bible consacrée liberté de réunion et d'association. Et à l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous lit que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Et quand être humain est associé dans le but pour causer du mal à l'humanité, entreprise doit arrêter entreprise, doit combattre parce que l'homme parfait pour lui, pour l'homme. Nous disons tout que nous relais la fragilité humaine. Donc, dans toute espèce animale qui peuple la terre, donc c'est être humain qui a une fragilité qui est extrême. Nous fragiles en pile en tant qu'humain. Nous ne s'il pas manger, ni pas dormir, dans une condition qui est humainement acceptable, ni pas vivre dans un lieu qui descend, dans un lieu qui est salubre. On dit dans un environnement qui est plus ou moins sain, il est difficile pour les gagner une santé qui robuste, parce que l'île fragile. Et si l'individu ne dispose pas de moyens sanitaires plus ou moins efficaces, comment peut-il se préserver, s'immuniser, se protéger, se soigner quand il est appelé à faire face au revers de la nature auquel il est souvent exposé? Gagner ça nous est le droit au savoir. Le droit au savoir comprend essentiellement le droit à l'éducation, mais aussi tout ce qui concourt au développement des connaissances, de la culture et de la formation. Il s'agit d'un droit très large, essentiel à la réalisation des autres droits. Si quelqu'un n'est pas éduqué, il peut se trouver dans l'impossibilité de fouiller dans les mystères du monde pour se pourvoir de connaissances adéquates susceptible de conduire à des actions utiles à l'humanité. Et c'est ça nous lit dans une réflexion bouquinine qui est située entre 1814 et 1876. Et dans la réflexion ça, nous lit ce qui suit. Il s'ensuit que la société dont le futur dépend de l'éducation et de l'instruction des enfants, et qui par conséquent a non seulement le droit, mais aussi le devoir de les conserver et gardiennes des enfants. L'entretien,
l'éducation et l'instruction des enfants devront être égaux pour tous aux frais de la société. Je reprends l'entretien. L'éducation et l'instruction des enfants devront être égaux pour tous aux frais de la société. L'être humain valorise la considération de l'ONU fait sous état de loi. Au regard de cette organisation mondiale, expression état de loi lui désigne un principe de gouvernance en vertu duquel tout individu, toute institution, toute entité publique et privée, y compris l'État lui-même, doit répondre à l'observation de loi qui est promulguée dans l'État. Mais, loi ça y aurait sur ça y doit être compatible à normes internationales. Donc c'est ça qu'on dit lui-même en matière d'état de droit. Donc il dit comme ça que c'est désigné un principe de gouvernance en vertu duquel tout individu, institution, entité publique et privée, y compris l'État lui-même, doit répondre à l'observation des lois que vous promulguez. Bien entendu, règle ça y doit. Il n'y a pas loué l'être humain parce que soutient-elle le respect est dû à l'être humain comme tel et n'a pas de degré. L'histoire des droits de l'homme est celle de la création. Les droits naturels sont des droits intrinsèques à l'homme. L'être humain tire en effet ses droits de son mérite intrinsèque, de ses dignités et fragilités humaines, de sa mission sacro-sainte de travailler en tant que créature bénie de Dieu au bien-être de l'humanité. Et nous-mêmes, nous que prisonnier qui a pugé peine après avoir été reconnu coupable par la justice d'un crime même abominable, il continue ouais, que l'humanité a plaidé en faveur de lui-même pour respecter le droit, parce que il continue les droits même après que l'on commette un crime qui est abominable. Deuxièmement, on a besoin primaire nécessaire à la survie humaine. Donc, on a dit que c'est les droits humains piliers fondamentaux de l'état de droit. Donc, on a parlé de besoins qui primaires qui nécessaire à la survie humaine. Et besoin ça y est, fondateur de droit. Rapidement, premièrement, ça nous relève la nourriture. J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, disait le Christ à ses disciples. Manger à sa faim est à la fois un droit et un devoir naturel. Quand les besoins de prendre son pain se font sentir, il n'y a absolument rien qui puisse les apaiser. La plus grande de toutes les vertus jamais décrites, appelons-nous, est celle qui consiste à partager sa nourriture avec autrui. Retarder le moment où l'on devrait venir en aide à celui qui crève de faim est un refus de porter secours à l'humanité en danger. Certains disent « manger un égoïste porte malheur ». Et même dans la Bible tout, côté nous voir que Jésus a fait un miracle qui est assez extraordinaire. Les 12, les peuples là t'a crié que au grand coup, qui ça a pu faire rapidement, il y a le côté de Jésus, et sans plus tarder que ça Jésus te fait, il te fait miracle, multiplier pain, poisson, bah, tout le monde manger. Donc tout le monde vient manger, vendre des boutonnets, il y aura rassasié et il reste qui reste. Donc c'est pour montrer que même la Bible montre l'importance de manger, gagner pour l'homme. À l'aide de proverbes très significatifs, les peuples ont exprimé l'importance de la nourriture dans leur quotidien. Le français nous dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Et l'haïtien répète souvent « chien gangou pas jouer ». Donc si même chien, les gangou pas jouer, allez boire pour nous. Donc au sein même de l'instauration de l'état de loi, le peuple doit avoir été en mesure de trouver de la mangeaille à gogo. L'exemple est patent dans un pays comme la France, étant réputé comme un état de loi. À quelle nourriture qui c'est un besoin qui primaire, qui c'est un besoin qui fondamental, nous gagnons le logement. Depuis un monde mal logé, il risque de gagner de sérieuses complications au point de vue santé. Pour qu'un monde a développé des troubles physiques et même psychiques.
parce que nous mal logé. On qui mal logé, il est toujours, de mauvaise humeur. Il n'est pas bien dormi. Donc il y a une limite au cas où il a quand rien. Parce qu'il n'est pas bien dormi, il n'est pas dormi dans le côté qui descend. Et c'est peut-être ça, tout pays qui est réputé comme étant état de droit, il a toujours gagné recours à une politique de logement social. Il est capable de rassurer que chaque famille qui est placée sous l'obédience est capable d'avoir accès à un logement qui est plus ou moins décent. Donc, nourriture, logement, ce sont des besoins qui vitaux, ce sont des besoins primaires. Et ensuite, nous gagnons l'habillement. Et qui ça? L'habillement fait. Premièrement, l'habillement aide à identifier le monde, aide à identifier l'être humain. Donc, l'aime de passer, moi, par exemple, j'ai un bel costume sous l'île, j'ai dit, ah, ça, c'est un monde. Donc, il permet de reconnaître que c'est un monde qui l'a parce qu'il est habillé. Et maintenant, lui-même, il n'a pas besoin d'habiller puisque lui-même, il n'y a plus, il y a poil protecteur, il y a tout naturellement qui peut protéger. Et qui s'habille en fait, deuxièmement, lui permet de préserver, cacher l'intimité. Parce que nous-mêmes, l'homme, nous tellement, il s'agit de dignité. Donc, nous toujours prêts pour nous cacher l'intimité. Donc, habillement, c'est ça qu'il fait. Et enfin, habillement, il protège nous contre l'intempérie tout, qui est capable de causer nous un peu de mal. Parce que nous sommes tellement fragiles. Et par exemple, nous avons un exemple rapide. Si on bête fait journée là, juste, il a fait même 8 jours exposé, qui fait un soleil et un serré, ça va faire rien parce que naturellement, il fait tout ça. Mais ou même, est-ce qu'on a fait dormir là, tout chaud, ou sortir de l'ancienne, ou bien quand on commence à tousser, ou gripper, et qu'on a fait un fièvre, ça a mis déboucher son leucémie. Donc c'est tellement fragile ou même, donc on a besoin d'habiller, pour sortir de l'eau, obligé d'habiller, parce qu'on n'a pas exposé ton sou, ou capable malade. Mais bête à lui-même, il n'a pas besoin de ça, parce qu'il fait pour ça, il fait tout ça. Donc c'est ça, c'est trois besoins, ça, la dignité inaliénable de tous les êtres humains, et de leur égalité en droit. C'est en référence à ces lois que les Anglais, en 1629, les Américains en 1776, la France en 1789, Haïti en 1804, ont eu leur fulgurante révolution. Un écrivain des temps anciens a dit ceci. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. La nature fait des forts et des faibles. Elle dépend aux uns une intelligence qu'elle refuse aux autres. Il suit qu'il y aura entre eux inégalité de travail, inégalité de produits, inégalité de consommation ou de jouissance, mais il ne suit pas qu'il puisse y avoir inégalité de droit. Le citoyen appelé aux tâches de l'État, pour être performant, doit évoluer dans une société dont ses droits fondamentaux sont garantis et respectés. La société haïtienne fonctionne sous l'emprise d'un système qui bafoue les droits, contraint ainsi le pays à agir contre le gré de la loi et marcher en conséquence à la ruine. Le citoyen tyrannisé n'a aucune conscience de son état, voire de son devoir. Je reprends, le citoyen tyrannisé n'a aucune conscience de son état, voire de son devoir. Je vous dis merci. Alors, je vais passer le micro à l'animateur, mais c'est juste pour vous dire que maintenant, nous serons ouverts pour vos questions. Et c'est juste un rappel pour vous dire que nous avons... On essaie de garder en focus notre conférence et d'avoir des questions au sujet du thème débattu. Alors, s'il y a d'autres questions aussi, on peut toujours les répondre après. Alors, je passe le micro à l'animateur, comme ça. On essaie de prendre trois questions à la fois. Donc, on va prendre les questions par série de trois. D'après des petites questions, mais quoi pas qu'à le viser, au cas sortir d'un point ça va bien passer tout de suite, pour poser des questions. Allez-y. Bonsoir. Monsieur Raphaël, étudiant première année ici à l'ITSEC. Ma question est la suivante.
quels sont en quelque sorte les piliers négligés de l'état de droit et de la démocratie et pourquoi sont-ils négligés? Ah, ça c'est... tu reprends la question. Quels sont en quelque sorte les piliers négligés de l'état de droit et de la démocratie et pourquoi sont-ils négligés? Organes, par exemple, on l'ONU, nous gagnons. Pourtant, ancien étudiant de l'école de droit local, et je viens, comme dit mon collègue, l'organe national dans ce concours de plaidoirie réalisé par la Fédération des barreaux d'Haïti. Ma question est la suivante. Dans un pays où la justice est scandalisée, vilipendée, les dossiers de justice sont traités dans la rue, dans la presse, sous la pression des groupuscules de la rue ou des hommes du pouvoir, est-ce qu'on peut parler d'un état de droit dans cette situation? Sinon, que faire? Respecter les normes démocratiques. Par exemple, par exemple, le Gabon 4, après le 11 septembre, la date du 11 septembre, l'implique de bombes. Les terroristes, les prétendus terroristes, que l'Amérique est arrêtée par les deux, ils n'ont pas de droit pour rien, avocat, ils n'ont pas de droit pour leur famille, et ils ont séquestré, si vous permettez de dire séquestration, ils ont enfermé dans des droits inconnus que par un paquet de droits au courant. Est-ce que vraiment on peut parler de raison d'État dans un état de droit? Mais ça, il y a beaucoup de choses dans le cas de raison d'État. Parce que raison d'État, on dit, c'est raison d'État, c'est la raison d'État. Ou même, on explique comment avec raison d'État, même pas en train de dire raison d'État. Et raison d'État, qui ça dit? Raison d'État, le cas là, bon bagage qui a privé, qui est privé dans la société, l'État est tout. Indice et même preuve que Barayana là, même si le moyen de son éclatement dans la société, il évoque raison d'État. Oui, c'est aussi simple que ça. Parce que qui sont besoin, ou besoin de la paix, mais qu'on bagaille sous fait jeudi à là, c'est éclater ou pas l'éclater pays. Et puis l'État évoque raison d'État pour ne pas faire ça. Ok? Bon, même tout l'image sous raison d'État, c'est comme ça me comprend. Ouais. Et certaines fois, il ne faut pas avoir, n'est-ce pas, une confusion entre la raison du plus fort. C'est deux choses différentes. Hein. Oui, donc, et je pense qu'on est arrivé, n'est-ce pas, au terminus de la conférence. Comme je vous disais, donc, selon le comité d'accueil, vous avez, n'est-ce pas, un réfléchissement, alors, restez, n'est-ce pas, et dans la place qui vous est assise. Assigné, donc on va passer pour vous donner ça s'il vous plaît. Et puis ensuite, carrément, il y a des certificats à décerner. On va faire appel à M. Théobald. Avec nous, notre député. Bonsoir, magistrat. Bonsoir, maître René Julien, avec toute la vidéo. Bonsoir, étudiant. Et je suis très saisi. Et conférencier l'a parlé. Il y a un bagage qui m'a marqué et fait le devoir que vous ajoutez. Et d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'après la Constitution 29 mars amendée, d'après la Constitution droit Timoun 1989 Haïti ratifiée, premier décret 29 mars 1982 pour finir avec droit forcé en Haïti, article convention américaine qui ratifie droit monde avec droit au travail. Je pense que même si droit reste avec vous, domestique vous, monde dit qui est à monde, qui est dans la rue, qui n'est pas secours, même s'il y a plus d'aspects à caractère social, ministère des Affaires sociales, t'as dû prendre ça en compte. Mais je me suis dit, je ne m'attendais pas à parler de droit. Et je ne suis pas sûr que les gens qui ont domesticité. Je suis allé à mes panélistes là, dans une explication très fondamentale.
pour qu'ils accueillent amical de juriste directement par entrer à fond sous réglementation droit tout petit monde reste avec ou du moins petit monde qui en de nécessité. Nous mêmes on va faire exposer sur proposition de loi ça. Nous fait nous gagne proposition de loi que nous fait nous gagne tout article, toute convention, tout traité, tout traité toutes les conventions universelles, toutes les droits de l'homme, droits de travail qui est américain traité, je la donne. Maintenant, comment vous pouvez aider nous-mêmes? Parce que moi-même, je fais seulement avec. Moi, je fais depuis ces moments que je connais, par contre, papa, comme ça, je vais tout faire sans papa, sans maman, et puis c'est dans la rue. Comment nous pouvons réglementer et comment vous pouvez aider nous pour que nous-mêmes nous avancions dans le plus haut niveau? Pour que l'on soit capable de passer. Merci. Merci donc. Maintenant, la première panéliste Dieu pour être capable de répondre à une question pour les gens qui constituent le panel. Il y a une troisième question. Ah, ok. Ah. Donc, après cette troisième question, on va laisser le soin, n'est-ce pas, au panéliste de répondre, n'est-ce pas, aux questions. Après, on reprendra trois autres questions. Vas-y. Bonsoir. Dans votre exposé sur le droit humain, je vois que vous avez commencé avec la tradition dans la Bible. Vous avez parlé du pouvoir de la parole. Donc, ça veut dire que tout ce qui a fait au droit vient de la Bible. Donc, tout ce qui a fait aux droits humains, donc du fonctionnement humain, tout ce que fait l'être humain, ça dépend de son environnement. Donc je ne vois pas quelle est la position des animaux dans l'état de droit. Donc ça veut dire que l'état de droit concerne tout ce qui fonctionne dans la nature et dans l'environnement humain. Donc quelle est la position des animaux, quel est le regard que l'être humain doit avoir sur les animaux. Très bien, bon. Et voilà donc, pour les séries, pour les autres questions, j'aimerais que vous vous identifiez s'il vous plaît. Vous dites d'où vous venez, est-ce que vous êtes de l'UNICEF ou... Une sec ou une autre faculté. Alors là, donc. Merci, mon remercie beaucoup, question Payot. Ce sont des questions qui sont très pertinentes. Et première question, on dit quels sont les piliers négligés en Haïti? Alors, puis après, piliers que vous avez évoqués. Demandez-moi qui pilier, qui néglige en Haïti, et pourquoi. Et moi, j'ai dit que j'ai énuméré trois grands piliers okay, sur lesquels repose l'état de droit. J'ai dit premièrement, c'est le respect des droits humains. Et plus précisément, j'ai précisé dans la deuxième partie, à l'aide du respect des droits humains, j'ai posé accent sur les besoins primaires. Et parmi les besoins primaires, ça y est, on a dit gagner la nourriture, gagner le logement et gagner l'habitement. C'est le besoin primaire, on est plus focus. Et comme deuxième pilier, on a dit un régime de citoyens avisés, on a dit qu'il s'allier, un régime de citoyens avisés, et qui d'ailleurs expliquait peut-être tout. Et en dernier lieu, on a dit que gagner, ça aurait la garantie et le respect de l'autorité de l'État. On dit quels sont les piliers qui négligent. Donc c'est pas gagner un pilier, ça y est, respecté. Et pourquoi? Parce que naturellement nous parlons de l'état de droit. Donc c'est parce que précisément nous parlons de l'état de droit que pilier ça y est, de négliger. Merci. Mais tu n'as pas ajouté, on va voir madame. Je crois que Maître Marion a très bien répondu. Il répond non et dans le sens exposé, dans le sens des objets exposés. Nous devons faire une sortie dans l'exposé pour nous rentrer dans la question que nous posons là. Parce que les piliers, on a dit qu'ils négligent, il y a un pilier considéré comme étant un pilier fondamental qui négligeait, c'est l'homme, l'être humain. Parce que, comme dit Pythagore, l'être humain est au centre de toute chose. Tout ce qui se fait en société, en politique, quel que soit ça, fait là, c'est pas fait pour nous, il fait contre nous. Donc, on a dit, gros pilier, ça a créé l'être humain. Hein. Il y a une politique qui se fait en dehors de l'état de droit, il y a une politique qui se fait contre l'homme.
ouais, c'est contre nous-mêmes, fait, si nous n'avons pas une histoire pays, ça, dans la section communale, chef section Marion, mon la calé, la coupe bas émérité, quelqu'un veut que nous le sait. Ça nous bien content et nous pensons que l'amical, il peut redémarrer ça par rapport à un rencontre qu'on fait avant là, ou même au senti que quelle nécessité pour faire loi pour le prendre, si nous restons avec eux, tant que monde, parce que pas un monde passé. Et nous disons là, et maintenant on dit, les tout que article, il y a un article, les sociétés là, pas même un article, un monde qui dit, monde qui fait bio, c'est pour question de fortune, c'est pour question de belles couleurs, c'est pas une question de monde grand à la, son question d'égalité, elle a parlé d'égalité à ses endroits. Elle veut dire que pour manger, pour me boire, pour aller à l'école, mais gars la députée. C'est citoyen, je suis député. L'homme va aller à son point, on fonctionne. Mais pour manger, pour me boire, si vous avez les corporations, les gars la députée, les gars la présidente. Parce que nous, tous les députés, nous devons prendre l'absentie. Donc là, ils font travail comme ça, ils font travail pour le respect des droits humains et de ça tout le monde là-dedans. Je vais répondre à une question, monsieur, d'accord, de justice qui existait. Et en. Oui, les tribunaux qui existaient dans Monio, dans la rue. Et peut-être qu'on est arrivé en retard, les conférenciers ont parlé de qui ça qui est en état de droit. Est-ce que nous avons accès à aller? Et c'est bien expliqué que l'état de droit, c'est un respect scrupuleux de la loi. Ça veut dire que la loi, la constitution, on l'a déjà avec le royaume, état de droit qu'on est là-dedans, le système qui est en place rassure que la loi ça est appliquée. Nous ne pouvons pas faire pour vous que nous ne pas confondre ça pour vivre qu'on y en a avec ça que. Parce que nous ne pouvons pas le faire en qu'un et. Nous ne pouvons pas le dire pour arbitre pour nous dire ça, que lié, qui ça que nous voulons. On est à deux droits dans nos pays, c'est la loi, constitution que, qui a été en place. Et puis, mon système qui est en place, yo, rassure yo, que loi ça est constitution, yo, que mon yon qui l'a dans yo, Bible, et que si on nous que nul est au-dessus de la loi, ça veut dire n'importe qui fait en bagarre et que qui va respecter la loi ça, il y aurait l'autre dans le système, dans la justice pour nous, mais on va vous faire ça quoi ça. Il n'y a pas de qualité de. Parce qu'on est des chefs ça, parce qu'on est parlementaire, parce que c'est normal, ça veut dire que tout le monde soumet à la loi ça. Ça veut dire que ça va vivre dans le pays, hein, sans sens que vous va vivre dans le pays, hein, qui pour vous, réalité, hein, c'est pas ça que nous relais état de droit. État de droit, c'est que le droit là et que l'état de droit rassure que. Ouais, démocratie, état de droit va venir tout de suite après. Le fait que ça attire l'attention, qui fait que vous en parler, et la société, alors que je ne suis pas entendu, pas de nous parler justement du renforcement. Mais il y a des questions qui étaient suscitées que vous posez question ça là. C'est côté où vous avez montré que le fait que nous perdons nos ensemble de bagages, état des droits, nous pas respecté du tout. Alors que pour cette constitution, comme la loi mère que nous gagnons, qui suppose ben, toute légalité, toute légitimité pour que nous agissions, nous traitons nos ensemble de bagages. État de l'Assima, nous attendons justement, mettre la longue intervention pour démontrer que, qu'on période, mais comme on va y être, si je dis que la période est avancée, moi par rapport à avancer, nous que faire négliger tout avancer, nous disons pas état de droit. Alors que si pas bien une démocratie, comment on va faire parler de l'état de droit ça et avancer bien là, comment situer dans le même situé le contexte ça pour nous permettre que plus ou moins, ok, même les gens qui ont le bagage, pas tout, mais au moins on va se filer la première fois. Ok, merci pour la question. Donc, vous dites que des fois, démocratie ou état de droit. Je réponds premièrement que c'est pas, ça pas consacré. Donc, c'est pas forcément que le fait que la démocratie est état de droit. Parce que, en dictature, tu n'as pas mis état de droit. Donc, vous dites tout, donc toute dictature, c'est état de droit. C'est ça peut-être que définition état de droit, mais c'est là bien avant, des ou que c'est un état qui gagne sa relève au respect scrupuleux de la constitution et des lois qui régissent cet état. Donc c'est pas parce que son démocratie qui pose un état de droit. Ok? Et puis j'aime t'as dit que même non dictature, tout si une dictature qui dit, qui écrit, qui dit ou pas supposé faire tel bagage, et puis il respect scrupuleux, hein? Donc c'est un état de loi, bien entendu. Il y a de l'organe lutter pour amélioration, ça ne pas écarté. Donc, afin
depuis que la démocratie soit état de droit, ça c'est pas bon. Et tout a dit que y a des avancées qui fait nous négliger, etc. Donc, je ne dis pas qu'il y a un état de droit à moitié, ou bien nous avons dit que c'est un état de droit, et qu'on a l'autre partie qui part de l'état de droit, pas que ça. C'est l'état de droit, et nous, c'est ou pas, soit on l'a dedans, soit on pas là, pas qu'il y a moitié. Mais cependant, à cause de la Constitution, nous avons des lois qui disent que nous avons des outils nécessaires qui sont capables de faire nous, amener nous sur une route pour un état de droit. Donc, nous avons des outils là. C'est-à-dire nous avons les lois, les constitutions, etc. Donc ça, ce sont des outils nécessaires, nous avons besoin pour nous avoir un état de droit. Mais malgré les outils, nous ne sommes pas respectés la loi. Pas un état de droit, pas un morceau, ni... Dans qui ça nous est ? Dans l'état arbitraire. Bon, et à la vérité, ça maintenant est à pas sorti dans la tête, mais c'est dans la recherche nous fait. Je dis non. L'état de droit, pas vrai, dit forcément l'état démocratique. C'est ça la boule. Parce que l'état de droit vous dit que c'est démocratie bas. Non. Démocratie, c'est une étape dans l'organisation société. État de droit, c'est une étape. C'est une route là pour prendre. Mais, nous jouons tout, il y a des gens qui ont réfléchi sur l'état de droit. Les Américains disent surtout. Les gagnants et une démocratie les plus favorisées l'état de droit. Ouais, là, on a vu une surprise. Et puis, une démocratie, on sentit que l'état de droit, il jouait le terrain, il t'a fait le terrain. Ok, pour clair. Gagnants, il y a un monde qui demandait rapport en droit et droit et ça. État de droit, la loi. État de droit, la loi. La question a été, si, est-ce que pour arriver à cet état de droit, compte tenu de la finalité de l'état de droit, n'est-il pas des fois nécessaire de mettre en question les lois? Quelle est la finalité de l'état de droit? Vous dites, compte tenu de la finalité, s'il vous plaît, il y a une idée qui c'est de favoriser le bien-être de l'être humain. Ok, okay. Donc, bon, nous allons aller dans Montesquieu, qui dit les lois dérivent de la nature des choses. Donc, si on est à deux doigts, nous disons dans sous loi, faut loi lui-même dériver de nature, société ou à vivre. Peut-être mécanisme pour qu'on mette en branle en Haïti pour arriver dans l'état de droit, peut-être c'est pas nous mettre en France. Mais finalité, toujours est-il, c'est pour permettre que nous vivions bien. Donc, rapport qui gagne entre loi et état de loi, c'est un rapport que la société a lui-même lui consacré. Parce qu'on n'y a pas qu'à faire en Haïti, ou pas qu'à faire loi pour neige, puisqu'on n'a pas de neige. Il y a des côtés de neige à tuer mon en France, c'est là, on lui a passé là, il est tombé au conseil des dispositions, ou on ne va pas dans ça. Donc, moi-même, si je saisis la question, il y a un rapport et droit entre société, droit et état de droit. Parce que Montesquieu, nous répétons encore, les lois dérivent de la nature des choses. Si il y a une précision, peut-être que vous-même vous répondez, mais là, même, bah ouais, l'autre gens qui répondent à la question. C'est ça qui fait, si il y a un déséquilibre par rapport à la dynamique sociale, si il y a un déséquilibre entre loi et sa société, et je vous le dis, eh bien, ça pose dans le droit du mal. Parce qu'il y a une dynamique. Et cette dynamique, ça a eu gain qui fait que toute société, état de loi, il toujours prévu ces lois. Actuellement, en France, là, il y a une loi côté pour réforme, une loi sous bagage éducation. Parce que tant qu'on pense, dynamique là-dedans, forme et tout. Elle est ça, ou nos sociétés arbitraires. Tant qu'on est ici, ou nos sociétés arbitraires, côté loi, il y a même pas laisser en harmonie avec ça, même parce que d'abord, il y a négligé purement et simplement. Okay. Motion, oui. Motion, motion, ah, bref, oui. On pas espérer que vous faites débat sur motion. Non. Mais ma petite collègue, merci le fait que niveau joue moins un peu. Mais sauf que madame, mais pendant que nous allons là, bon réflexion m'a tiré attention sur nous. Et on va essayer maintenant sur le répondre moi. On est d'accord avec Axel répondre moi. Et on pense que là. Appliquer une dégâts philosophique de l'air. Mais ça me donne une fois rapidement, nous sommes évoqués des pays champions de l'état de droit.
il a évoqué la France et puis les États-Unis. Et je dis, moi, parce que il y a des bagages à répéter là, il a répété l'autre côté, ça va passer pour nous garder. Même temps, je demandé et mettre pour les Juliens même. Et pour le garder ça, moi, c'est peut-être une autre conférence amicale des Juliens qui va le faire pour nous chiter en débat sur ça. Les pays, ça nous a marché vraiment bien. Pour qui ça, je vais détailler. Pour qui ça, je dis, les gens sont tombés. Et je pense que le motif qui est évoqué, c'est le fait que la question de la démocratie va respecter, que je ne vais pas faire de détails. On prend, je pense que notre cas prend en Iran, Saddam Hussein, nous voyons comment les choses ont passé, et nous voyons qui ça qui est le pays, ça, aujourd'hui. On va attirer l'attention sur ça, le fait que, comme vous êtes aujourd'hui, même devrait attirer l'attention, reste pas l'émission, parce que vous comprenez, pour qu'il y ait facilité, c'est fort pour qu'il y ait une démocratie. Et aujourd'hui, pas aucun côté qu'un dictateur. Une dictature sur la planète, ils ont voulu le camper. Si on va le camper, on mange toute dictature, malgré le pays, ça va marcher bien. J'espère que ma tire attention sur ça. Je ne vais pas le fonder, je ne vais pas le voler, je ne vais pas le faire, ma tire attention sur ça. Il faut mieux oublier le terre, et puis le travail au café, puisque mon garçon café, il faut plus sérieux, etc. Donc, moi, il faut mieux appréculer. Mais nous ouvrons un registre, côté nous commencer, il y a un pile jeune. Mes papas, mes mamans. Et les bons problèmes de R, de I, de C qui posaient, on va le faire, on va le faire des raquettes, surtout par le Brest. Surtout par le Brest. Le foyer des raquettes, pour faire des jugements pour vous, parfois après, l'on allait dans l'archive nationale de la DIM de l'USAP. Il dit, mais toi, c'est une thèse de doctorat. Parce que nous aussi, nous étions victimes de ce problème de la civile. Ce problème qui est grave. Et vous croyez que c'est ta premier problème que l'État haïtien t'a doué, madame, c'est venu au Royaume-Uni, t'a de résoudre le pays. Quand pile monde, nous pas haïtiens, nous pas grand rien en même, les amis vont voter aussi, nous pas bon pour tourner à son jugement. Est-ce qu'on va la croire? C'est ta premier problème. Pour établir état de droit ça, oui. Pour que Haïtiens connaissent qui est lié, qui non, qui prénom, qui maman. Côté une source. Côté une source. Ce problème ne va pas être résolu. Et ce problème ne va pas être résolu par les Juifs. Ce problème doit être résolu par les autorités étatiques. Lui, il est venu nous orienter, nous parler des. Principe adopté pour qu'il y ait un état de droit, mais il ne peut pas résoudre ce problème. Mais nous avons une note. Donc, même parce que c'est là, nous allons aller nous-mêmes l'amical, ça n'a pas offert le pays à nous de bonne foi pour aller vers Génio, ça n'a pas corrompu, parce que vous mettez le tout barré, vous nous dites barré, vous clair, les gens qui corrompu, parce que vous dites comme vous. Ça n'a pas corrompu, ça qui doit y aller, soit nous qui voulons bagaille pour payer, nous allons faire nous-mêmes pour nous monter aux structures de pouvoir qui a fait que dans 25 ans, nous disons que nous vous pays qui a marché vers un état de droit. Merci. On continue donc, il ne nous reste seulement deux questions, mais on aimerait avoir, n'est-ce pas, à une question de femme. Écoutez, mesdames, vous êtes deux mesdames panélistes là et puis pas joindre. Au moins une femme. Est-ce qu'il y a une femme? Attendez. Est-ce qu'il y a une femme? Il n'y a pas une femme. Eh bien, on donne deux dernières questions. Qui est-ce? Bon, écoutez. Vous l'attendez, mais. Je suis. Vraiment deux questions, c'est deux questions seulement, deux dernières questions. Je suis Voynel, étudiant en sciences juridiques de l'ETSEC. Donc, on a beaucoup parlé de l'égalité en droit. Considérer deux personnes qui voulaient, soit la première, un homme mineur, et la deuxième, et si on le vote, on ne voit pas ça aux mêmes yeux. On pourrait même négliger la dernière personne. Est-ce que là, on peut parler de l'égalité de l'homme? Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle de. Ça, c'est une discrimination en droit. Donc, est-ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, de discrimination en droit quand on parle, n'est-ce pas, de droits humains? Et je suis Joseph Anderson, étudiant finissant à l'Obstacle.
Et nous remercions Maître Rouni et Julien et son équipe. Et la question que j'aurais aimé adresser et rassemble toujours, c'est concernant l'état de droit que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Est-ce que le problème état de droit n'est pas relevé et d'une faille de la Constitution haïtienne qui ne dispose aucun principe pour que quelqu'un se fasse porter candidat? Et le problème, donc je vais simplifier, ça va être, donc les personnes qui devraient faire fonctionner donc, les organes judiciaires, donc ces personnes-là, donc je voudrais dire, certains d'entre eux, je ne vais pas généraliser le cas, mais certains d'entre eux ne sont pas en mesure, on va dire, de savoir ce qu'ils entendent par état de droit. Donc, est-ce que donc ce n'est pas la Constitution, et au cas où on procéderait à un amendement total de la Constitution, donc est-ce qu'on ne va pas arriver et non, donc oui, je veux laissez-moi terminer. Et qu'est-ce que je disais? Venez avec la question, s'il vous plaît, un peu de tenue. Hein. Merci. Continuez. La question que j'aurais posée à Maître Julien, état de droit que nous sommes en train de parler, est-ce que cela n'est pas relevé d'une faille à la Constitution haïtienne qui empêche et à ce que l'on parvienne à un état de droit en Haïti? C'est terminé. Non, ma question est censée. Maître Né a dit qu'il a saisi la question, il a compris, il va répondre à la question. Et ensuite, une toute dernière question, mais vraiment toutes, c'est ce monsieur-là qui souffre. On a deux questions? Attendez, il y a deux questions. Ok, nous voulons être civilisés. Quand quelqu'un pose une question, on a compris, on ne veut pas d'intervention, nous sommes des panélistes ici, on veut avoir la cette essence. Merci, les curieux de tout bord, hein, et en fait, tenez. Ah oui, merci. Et Maître Julien va bien saisir la question, il va répondre, et tout, bon, juste avant, laissez-moi répondre cette question super rapidement. On est égal en droit. Il y a un monde qui gagne, un entrepreneur, un autre qui est privat. Le financier a bien expliqué, tout le monde égal en droit. Des lois paraissent, conception des lois différentes, parce que nous sommes en profondeur avec comment le juge, mais ça n'a pas lié à un état de droit, tout le monde égal. Bon. Avant de me soumettre, m'a précisé, et même question ça, que Mme Tivor me répond. C'est pour nous aller, pour nous comprendre bien ça, l'antinia. L'éthique, dans la conférence là, vous devez mettre ton problème couleur. Ou te mettre de l'argent, ou te mettre tout le bagage. Ou présenter nous un monde qui a l'argent avec un sérieux de bon. Est-ce que si le monde qui a l'argent fait un an, il va vivre un an sans manger? Est-ce que le monde qui a l'argent, il va dormir dans n'importe ce là, chaque jour, il va avoir des problèmes? Ouais. Même problème n'a bien, c'est même problème non, si le niveau n'a bien. Donc la loi intervient pour protéger tout le monde. Il sous plein de droits humains, non égal. Maintenant, vos sociétés qui fonctionnent, mes amis, ou pas qu'à les signes ces médecins, et puis vous tombez dans l'hôpital là, pour que vous avez même train de vie, vous avez même.
Mais qui ça la loi fait? La loi classe. Et puis pendant la loi classe, non. La loi fait tomber à payer impôt pour être capable de rendre ça égal pour concrétiser. Il fait payer impôt pour les deux petites salles à l'école. Parce que moi, je connais les petites pendant qu'à l'école. C'est ça pour nous, parce que le plan de loi. Si il y a un cas qui a fait, la loi contribue pour les gens malheureux qui vivent dans le cas là pour le non-logement décent. Mais la loi ne peut pas contribuer pour ça parce que la loi connaît que moi, je fais un cas, je fais une maison décent pour vivre. Ou bien aux États-Unis, où en face là, il y a un paquet d'appartements, là, il y a un paquet d'appartements, même gens ont fait, même architecture. En face là, ils dit, c'est pour les gens qui ont touché l'argent qui n'est pas arrivé dans tel niveau. À petit, ils ont fait pour eux. Ils ont dit, vous avez loué ça, $1,000 par mois, ou même les gens qui gagnent. Comme les touchés pour permettre de payer $1,000. Et puis moi-même, je dis que je paye $3,500 si je mets en face. Donc, mes gens, société à lui-même, cherchent à faire équilibre. Donc, si vous êtes là, entrepreneur là, vous gagnez même droit pour vivre dans conditions décentes. Vous gagnez même droit pour vivre tant pour le monde parce que c'est le monde. Ça, je souhaite que vous gagnez. Comment? Même j'ai l'impression que malgré tout débat nous fait, état de droit ne l'est pas passé, j'en ai la vie, il faut qu'on fasse plus de travail pour passer. Parce que de côté, l'on parle de l'état de droit, si vous te suivez le concept état de droit, j'aime développer l'homme à finir avec des questions qui viennent là. Et que des questions qui viennent embarrassantes, nous pouvons faire répondre, faire répondre, moi-même pour ne pas à falsifier ça et. Au conseil de la TDI qui était bien dit. Souvenir au temps, il n'y a plutôt pas aller à l'autre monde parce que vous n'aurez pas après font un débat entre nous-mêmes. Mais après, pour une question côté que clair, nous dit qui ça l'état de droit. Nous baillons les éléments indiciaires de l'état de droit. Nous faisons tout pareil ça, et puis pour nous prendre nos balais pour une question venir, nous mettons tout ça nous dédions en question. Donc, moi je pense que ma baille est. Je ne vais pas mettre ma réponse. Parce qu'à la vérité, on n'a pas gagné une question. On ne peut pas sur qui je ne parle pas. Donc, moi, regarde. Mais tu dis une question à la vérité. Est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a pas le droit? Nous dit que état de loi supposé l'application scrupuleuse de la Constitution. Nous dit que l'état de loi, tout le monde concerné. L'état de police est opposé à l'état de police là. L'état de police là lui-même, chef pas jugé. L'état pas dans le jugement. C'est le monde privé qui est dans le jugement. Ça, c'est l'état de police. L'on parle de constitution, faille constitution. Ou on va montrer que, comme s'il faut qu'on moule, que la constitution dit qui pour nommer. Oui, la constitution dit qui pour nommer tout le monde. Mais quand il s'agit d'élection, la constitution dit qui pour nommer tout le monde. Mais tout qui qualité pour nous nommer, ou même comme ça se passe, ou même qui pas formé comme citoyen gaé, mais la constitution bon route pour faire. La constitution dit pour nous députés, faut l'idée en demeure, faut qu'il y ait un domicile, faut qu'il réside en côté pendant un certain temps. La constitution dit ça, la constitution cherche un monde qui est propriétaire. Il dit à défaut, si le monde dans une zone sale, il n'y a pas gagné. Il va gagner une résidence, mais il va chercher qui bien gagne, est-ce qu'il a accès à son profession. Donc, si on ne pas comprendre, la constitution voyait pour aller voter un monde que le pays a investi dans le pays. Parce que là, il faut payer des biens, ça veut dire qu'on paye pour. Il faut qu'on paye pour. Là, tout, si le monde n'a pas gagné tel, on va aller dans la profession à exercer.
les voyants ont voté au monde qui gagne une profession. Par conséquent, les voyants ont voté au monde qui ont un citoyen qui réussit ville. Parce que si citoyen n'a pas gagné rien, il n'a pas gagné ni profession, il n'a pas gagné ni bien, ou à voter, vous connaissez qui sont votés. Mais ça est au voté. Et la question de la question de l'élection du Parlement. Ça, c'est notre bagarre, oui. J'ai répondu à la question posée. Est-ce que nous. La question est quoi? Non, la constitution, nous va aider ça. Tout le monde doit les questionner. C'est pour une constitution, pas dit ça veut dire. Ou bien c'est pour dire, c'est pas ça dire. Laissons-moi voir le bail, ça que ça. Pour répondre à des questions qui ne se situent pas dans le cadre de l'exposition. Si on veut avoir d'autres précisions, on doit consulter maître Néjeunier. Après. Dans notre conférence. Merci beaucoup. Donc, on va prendre cette dernière question, mais en partant, je dois vous dire que selon le comité d'accueil, ne partez pas encore parce que vous avez un rafraîchissement. Ne partez pas. Donc, tout de suite après, venez donc. Merci de m'avoir accordé la parole. Ma question est très simple et elle est adressée à M. Naïf. Est-ce que vous parlez ? Nous, de philosophie du droit. Très bien. Il était le quatrième à vouloir poser une question. Voilà, j'ai fait cette intervention. Mm-hmm. C'est pour lui accorder la parole à qui vous dit. Ah, très bien, parfait. Okay. Merci. Et avant tout, je voudrais adresser toutes mes félicitations et aux membres de l'amicale des juristes en général, et en particulier Maître l'ingénieur qui a pensé à faire la relève. C'est pour aussi accentuer sur la félicitation que je dois adresser à Maître la conférencière et qui a été tout au cours de cette conférence et à la hauteur de la tâche. Et je voulais quand même poser deux questions, si vous me permettez. Et la première concerne la question du rapport entre l'état de droit et les lois. Ma question, c'est pour obtenir l'état de droit, et ne faudrait-il pas des fois mettre en question les lois? Donc, le rapport entre le droit et les lois. Donc, et c'est ça ma première question. Et la deuxième question, c'est concernant la considération qui a été faite de la route pour la justice. Je crois que dans la Constitution haïtienne révisée, et ce sont les articles 185 à 190 et qui parlent de la route pour la justice. Est-ce que selon vous, la route pour la justice est une avancée dans l'état de droit ou une régression dans l'état de droit? Quand on sait que l'article 185 stipule que c'est le Sénat qui s'érige en haute cour de justice, maintenant, alors qu'il n'y a pas de peine s'il n'y a pas de faute, donc maintenant, or, la haute cour de justice juge d'abord et destitue le citoyen, c'est après qu'il est passible par devant les tribunaux. Donc, et est-ce que ça, c'est, est-ce que la décision de la Haute Cour de justice, du Sénat qui s'érige en Haute Cour de justice, est-ce qu'on peut parler d'une décision de justice et sans enlever des guillemets?
Donc maintenant, et ce sont là mes deux questions, donc je vous laisse okay. 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 Il y a quelqu'un qui avait... Non, il y a. Donc c'est une question, donc paraît-il très bien, on a le magistrat aussi, le député qui veulent donc poser aussi des questions, donc maître vient de parler, et c'est comme si maître, de sa première question, il veut parler, n'est-ce pas, de questionnement, n'est-ce pas, des lois, autant dire la fragilité, n'est-ce pas, des lois. Donc, oui. Merci beaucoup. Ici Adiles Maus, là au Mali. Ou bien, aux questions à poser sur Haïti et l'état de droit pour se faire ça dans l'énoncé. Nous remarquons que Haïti a trois tribunaux. Il y a un tribunal, c'est côté M. Metteves, à parler en pile français, à discuter pour. Ok. Le tribunal là, c'est ça qui aide un monde. Loin, où nous démontrons. Pour aider aussi justice, et là, quel genre de justice? On ne pas connaît, mais semble là, il n'y a aucun résultat. Et le tribunal là, c'est dans la rue, les gens n'ont pas de justice, on va mon nom $500, on dit bon, faites une justice avec monsieur ça. Là, c'est trois barrières qui ont dominé Haïti. Quand il y a là, qui ça nous capable de faire réellement? Pour nous que meilleur le salle. Okay. Au plus vite que possible. Merci. Troisième question, donc moi dit merci. Moi dit magistrat. Et d'après qui se pense de toi. N'attends magistrat. Oh. Mettez-vous le bouche à magistrat. Mais oui, parce que ça nous donne des larcènes. Bonsoir tout le monde. Je prends le soin de me saluer mon député, l'honorable député de la circonscription qui est là. C'est un plaisir pour me saluer. Et je pense que je salue le député qui parle de malgré les gilets sont venus ici. Mais comme on dit, ça fait un plaisir pour me saluer. Pratiquement, question à essayer de poser, pour me saluer. Et le directeur qui est là. Question à essayer de poser. Je demande, dernier, mais nous avons quelques secondes justement pour me juste un petit parenthèse. Et comme nous connaissons en matière de droit, la Constitution. Lit au-dessus de tous les lois. Si je dis en nous parler de l'état de droit, et ma préférée, ma deux ou trois questions, M. Chemisier et camarade qui l'a déposé, et ça devrait remonter à parler de cela, vous le dit plus que moi, ça me détente qui négligeait, ça montre que nous parlons pour l'état de droit. Dans les panélistes, n'importe quel panéliste, situé pour me contexte ça ou bien approcher ça. Constitution, justement, qui l'a, et on dit que l'organe constitution, qui en vigueur, qui baille un ensemble de possibilités pour que nous parlions de l'état de droit. Alors, par contre, si je me trompe, c'est deux bagages qui marchent de pair. Et Ndeka dit démocratie et état de droit. Ça veut dire, vous voyez, démocratie, ou après tout de suite après, état de droit venait, il a traîné, Ndeka dit un ensemble de revendications. Je dis, la constitution va un ensemble de possibilités pour nous remonter, négatif, même les applications sont déjà difficiles. Je dis, même la constitution a dit tout. Les que situation difficile par rapport à la question de médecine de dit là, les nous avons dit qu'il y a une faiblesse dans l'État, il y a des problèmes qui posent question à traiter dans la rue, les citoyens, ils ne pas justice, même la constitution a dit, mais qui ça pour les citoyens ça fait, ils ont fait sitting, ils ont fait marche, ils ont fait tout un ensemble de bagages. Et je dis, je m'ai demandé tout à l'heure à mettre pour les gilets, sur fond parenthèse, il était parlé du chef section qui était gagné dans le temps longtemps. Je dis à malentend ça, nous venons faire conférence ça là, pas de watch, pas de nous tout qu'a dit. Nous avons dans le contexte à nous situer, nous nous dit exactement avancer ça le contexte à qui ça y est si nous parlons d'état de droit du tout. Moi, c'est n'a pas les non forcément, mais mon petit genre, justement flou, ne parle pas d'état de droit du tout. Nous avons très bien. Très bien. Donc on voit que c'est une autorité qui parle. Une autorité à parler. Et là, il y a aussi tout honneur, chers panélistes, donc puisque nous avons avec nous le député de la première circonscription. Donc comme quatrième question, on va lui concéder le micro. Ah, oui. Oui, et député. Il y a toujours une exception. Député, d'après ça, le tribunal, nous avons une proposition de loi. Nous ne pouvons pas trouver une maladie comme ça. Comme les deux jours. État de droit. C'est normal, c'est le représentant d'espoir.
la soumission de l'État aux lois. Pour le pouvoir exécutif, pour le pouvoir judiciaire, pour le pouvoir législatif, c'est pour pouvoir bien battre devant la loi. Tout à fait. C'est l'affaire de tout pas de loi. Des certificats à des personnes. Bon, et moi, tout profiter pour présenter nous Maître Raymond Bergeau, qui représente l'amicale des juristes depuis une année et dans le sud. Je pense que tout le monde qui a fait un contact avec l'amicale des juristes est dans le sud avec la plupart intermédiaire du jeune avocat Raymond Bergeau. Si vous avez besoin de faire, si vous avez besoin d'un séminaire qui a fait un rapport à droit, si vous avez besoin d'un rapport avec l'amicale, vous avez besoin d'une intervenante au niveau de l'amicale, qui a fait un presse, etc. Et nous souhaitons que nous connaissons que l'amicale est représentante dans la zone qui c'est Maître Raymond Bergeau qui m'a passé pour le nos coordonnées, pour le dire dans le cabinet et pour le dire dans le téléphone. Merci beaucoup. Félicité l'amicale des juristes
La guise exhumée est secrétaire adjointe en deuxième année sciences économie. Paul Virel, Paul. Paul Virel, Paul est conseiller. Il est en deuxième année, Saint-Jean-Di. Pompée Véronique. Pompée Véronique est en troisième année en sciences économiques et vice-coordonnatrice du comité. William Destin. William Destin est délégué adjoint. Il est en troisième année, c'est jeudi. Merlin Siménien. Merlin Siménien est en quatrième année, sciences économiques, et secrétaire. Wilson Chérimo. Télimo. Il est coordonnateur, il est en première année en Saint-Juidi. Ensuite, nous avons Mesmin Jeune. Il est coordonnateur, il est trésorier. Il est en quatrième année Saint-Juidi. Cette conférence a rendu possible grâce à tous ces étudiants-là. Nous vous demandons encore une fois un applaudissement. Merci à Maître Théobald pour le bon soin qu'il a pris dans des certains espaces de certificats. Et je pense que tout à chacun, vous aviez été bel et bien satisfait. Je sais que vous aimeriez piper, mais malheureusement, vous savez, le temps nous fait la guerre, on a d'autres choses à faire, et nous sommes arrivés fort tard. Notre chevronné professeur, Maître Fougère. D'accord. Il est là, donc je vais lui passer le micro pour vous saluer, et saluer Maître René Julien sur le même coup. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je ne m'attendais pas à prendre la parole dans cette heureuse circonstance. La présence de Maître René Julien. D'abord, je tiens à présenter mes remerciements à Maître René Julien pour avoir répondu à l'invitation des étudiants de l'école et de la catégorie. Quand on dit pour qu'il puisse nous dire, n'est-ce pas, sa poésie, Monsieur Télémo, il n'est pas seulement un avocat, mais il est un écrivain poète, un chercheur aussi. Hein. C'est quelqu'un de très très dynamique, je vous le garantis, parce que lui, il a déployé, n'est-ce pas, et tout son dynamisme à pouvoir réaliser, n'est-ce pas, cette belle conférence. Donc, on lui cède le micro. Bonsoir à vous tous. Comme c'est bien dit, Wilson Télémo. En fait, je vais vous présenter la lumière de mon abeille en tant qu'écrivain. Je vais vous dire un texte titré Être jeune. Être jeune. D'après vous, c'est quoi? Je crois que vous êtes jeune et vous avez déjà la mentalité juvénile. Je pense que vous allez aussi vous mettre dans la peau pour bien maîtriser le fond de ce texte. Le jour et la nuit se sont donnés la main.
enfanté dans ma tête un rêve inconnu, puissant et charmant, qui m'ouvre les yeux et amorce mon talent. Un ange inouï a touché ma bouche. Désormais, je parle, oui, je parle la langue d'Apollinie. Et je décris de charbon ma carrière juvénile. Être jeune n'est pas se bercer d'illusions, mais vivre dans la plus ferme réalité. La jeunesse est un grand moment de réflexion où tous les jeunes doivent bien s'interroger. Être jeune, c'est se soucier du lendemain et penser au triste destin des marginaux, subissant enfin toutes les affres de la faim, des souffrances, des déboires et des sanglots. Être jeune, c'est aimer sa vie, sa patrie et avoir une autre idée très repoussée. La jeunesse est l'appui d'une société et l'axe du développement d'un pays. Être jeune, c'est savoir produire, créer des œuvres valables pour léguer à la postérité. Car la jeunesse est l'œuvre de la nature et tout l'espoir de la génération future. Être jeune, c'est apprendre à se faire aimer et à se faire connaître aussi dans la vie. La jeunesse est synonyme de liberté et représente une forme de sympathie. Être jeune, c'est se montrer très dynamique, tout en formant une pierre monolithique. Car la jeunesse est une force salvatrice et toujours prête à tous les sacrifices. Jeune comme moi, armez-vous souvent de patience, ne soyez point découragés et affaiblis. Mais vivez donc plutôt avec plus d'espérance, car la vie est enfin un combat sans merci. Voilà ce qu'on appelle état de droit. La jeunesse, état de droit. Même, on revient à l'idée, à quelque chose qui est dit dans la Bible. C'est en Genèse, chapitre 1er, le verset 26, qui dit « Dieu nous a créés selon son image et à sa propre ressemblance. » Et le clou, n'est-ce pas, de ce verset, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes les choses. Donc là, c'est, je pense que, à ce qui a trait à l'état de droit, c'est ça l'état de droit. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. D'ailleurs, c'est la première constitution qui t'est existé. Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, pas de bravo pour moi, non. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. En ce qui me concerne, mon nom c'est Weber Cyril. Comme vous le constatez, dans 3 ans encore, je serai avocat. Donc, bien sûr, parce que... Après avoir soutenu votre mémoire... Justement, je ne sortirai pas sans... La soutenance, n'est-ce pas, de tout à fait. Oui, je serai avocat après avoir soutenu votre mémoire devant un jury compétent et valable. Ça, je le sais. Et je m'arrangerai, n'est-ce pas, dans ces circonstances. Et je serai compétent pas devant, n'est-ce pas, ces membres de jury. Je ne vous le ferai pas dire. Monsieur Télémon, pour les mots de remerciement. Merci encore une fois. En tant que coordonnateur de l'activité, je crois qu'il est de mon devoir de vous partager les remerciements des jeunes dépositaires, des personnes généreuses qui ont participé à l'accomplissement de cette belle activité. Eh bien, encore merci Maître Jean-Pierre Josias qui a contribué pour la réalisation de cette belle activité. Et Jean-Jacques Théobal aussi qui a contribué. Maître Salomon Jean-Marie qui a aussi contribué. Maître Mampo Jean-Marie Théroy, c'est le directeur de cette faculté. Et nous remercions également Maître Laguerre Gélère qui a aussi donné son apport. Et Maître Woku Dag Goldberg qui a aussi partagé son. Et aussi Maître Jean-Michel Seyd, bien sûr. Maître Pierre-Richard Ligondé, Maître Fénélon Yvette,
Bonsoir T-shirt, Maître Banadjan Fougère, notre grand secrétaire, Maître Fortuné Jean-Gabriel, qui a contribué également. Et après, nous remercions tous les autres membres du conseil de cette activité. Et nous remercions en particulier à Maître Raymond Bergeon, c'est un grand ami à nous. Grâce à lui, on a pu avoir l'honorable René Julien. C'est grâce à ce grand monsieur-là, le monsieur qui est petit et grand. Et nous remercions également le décanat de cette faculté, ETSEC, École de droit des sciences économiques des CAE. Enfin, nous vous remercions tous. Si vous n'êtes pas là, activité ça va pas très bien comme ça, pas vrai? Applaudissez-nous, nous sommes d'accord parce que nous l'avons dit. Applaudissez-nous. Eh bien, d'accord. C'était un honneur pour nous. C'était une belle idée de quatrième année, sciences juridiques. Et nous-mêmes, comme étant un nouveau dans sciences juridiques, nous avons dit bon pour nous mettre ensemble avec lui pour nous concrétiser belle idée ça. Nous remercions chaque grand monde qui a fait des places pour venir là. Nous souhaitons nous pas regretter et nous souhaitons nous apprendre un peu de bagages de conférencier nous. Alors, pas connaître. Après, mettre Nico à MC, à la cérémonie, pour le capable faire les suites nécessaires. Merci à vous tous, merci à vous tous. On reste en contact. Et ça, c'est une grande première. On espère que cette même idée verra le jour autour de notre conférence et nous, le comité d'espoir de la première année, nous allons travailler. On a justifié l'activité au plus bien. Nous demandons tout le monde nous saluer là comme générosité. Nous avons avec nous parce que nous avons un bel certificat de remerciement nous faire pour vous. C'est vraiment belle. Nous n'avons pas regretté que vous avez partagé avec nous. Et en réciprocité, nous remercions. Et là, valablement, tout le côté au passé, c'est mon certificat que direction de l'école là, Sien Ladali, conseil là, Sien Ladali, Maître René Gilles aussi, partager l'idée. Alors, vous êtes capable de rencontrer avec nous, vous êtes capable de signer comme ça, et puis vous êtes capable de faire un certificat. Parce que nous ne pouvons pas rester là pour trop de temps, peut-être tout le monde qui parle là, on ne comprend pas, il y a besoin avec nous en partie, comme nous répondons nous déjà. Mais est-ce que nous ne pouvons pas applaudir, mais Julie qui a pris mal là, non? Applaudir. Je regrette qu'on n'a pas pu préparer un certificat de remerciement aux donneurs émérites, n'est-ce pas, à ces deux. Ah, vous partagez, non, je n'aime pas trop ça, parce que ça c'est à Maître Magnan et Maître Saint-Fort. Donc, ce n'est que partie remise et le comité va travailler à ce effet et vous aurez, n'est-ce pas, et à part auprès chez vous, n'est-ce pas, le certificat. Ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Hein. Donc, à vous tous, merci d'avoir répondu à notre appel. Donc, le plus prochain rendez-vous, c'est à NC4. Merci beaucoup.
ou chita la ou apradoke toute la journée ou apal en pile. Sans m'y m'bral boy un petit conseil, excusez m'bou et t'étendez, prends t'y chasse bon m'bral et parler, ma pas prêchons la vérité. Sans m'y déjà ou ces garçons, pas qu'à l'entripotage, et pour l'entripotage, y'a plein nous qu'à raconter. Ou quoi l'entribunal, y'a transféré au l'endépôt, ou amende bon Dieu la mort, vérité, va ça mourir. C'est pas chita ma chef l'on est fait bonnet toute la sainte journée, et pour comprendre au fini vain. Faut apprendre bien où ces garçons, faut qu'on travaille, où ça mange, mais oui, ça c'est pas le grand monde. Bekin ta prêche vedette. La 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 la. Chita la wa pale mal ou chita la wa pradote toute la journée wa pale en pile. Sans m'y m'bral boy un petit conseil, excusez m'pou rete dans des pati chasse bon m'bral et pale ma pa prêche la vérité. Sans m'y déjà ou ces garçons pas qu'à la tripotage. Dans la vie que tout métier cherche un travail ou fait. À la prenne qu'un bégoïne, à la prenne qu'un bétiwal, à la prenne qu'un bémato petit foulier la beaucoup. L'éternel mettons la mer à la prendre qu'un béon ligne. En vérité, pas même payer contribution. Petit coulier, quoi va manger. Faut remarquer moi-même, Bekin, son aigle film, créons travail pour faire. Faut remarquer moi-même, Bekin, son aigle film, créons travail pour faire. On prend bois guitare, ma prêche la vérité. Dans toute capitale d'Haïti, petit coulier, faut que moi manger. Et parce que bouche moins fun. C'est pas chita ma chef l'on est fait boire toute la sainte journée. Et pour comprendre où fille vivait. Faut apprendre bien où ces garçons. Faut qu'on travaille. Où ça manger, mais oui, ça c'est pas le grand monde. Bekin ta prêche en vedette. La 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 la. Parle mal ou chita la ou apradote toute la journée ou apal en pile. Sans m'y m'bral boy un petit conseil, excusez m'bou et t'étendez pas t'y chasse bon m'bral et parle ma pas prêche la vérité. Sans m'y déjà ou ces garçons ou pas qu'à l'entripotage. Des pour l'entripotage, y'a même nous qu'à raconter. Ou pas l'entribunal, y'a transféré au l'endépôt. Ou amende bon Dieu la mort, vérité, va ça mourir. C'est pas chita ma chef l'en est fait boire toute la sainte journée. Et pour comprendre on fit river. Faut apprendre bien où ces garçons, faut qu'on travaille, où ça manger, mais où ça c'est pas le grand monde. Bekin ta prêche en vedette. La 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 la